Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez simple. Je pense qu'on va faire un petit chit-chat make-up et tout. En gros, si vous voulez, de base je vais vous faire un petit concept en rapport avec mes ongles. Regardez. Voilà le temps qu'il fait dehors et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Dubaï, quand il pleut, c'est comme en France quand il neige. Tout est à l'arrêt. Écoutez, je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo de ma routine make-up parce que ces derniers temps, franchement, j'ai vraiment une routine très 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 sympa. Genre, j'aime beaucoup ce que ça rend sur mon teint. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire avec vous en vidéo. Parce qu'on me demande tout le temps en plus de faire une vidéo sur comment je fais mon teint et puis on va un peu papoter des news, comment ça va pas. Hydratez-vous. J'ai pété mon trépied tout à l'heure d'ailleurs pendant que j'étais en train de filmer une vidéo. La vidéo que vous verrez je pense la semaine prochaine. Déjà on va commencer par la chose la plus importante, mes sourcils. Mais me dis pas que ça m'a activé le filtre beauté, je n'en veux pas. J'ai désactivé le filtre beauté mais j'ai l'impression que ça le fait quand même. Bref, je sais pas si vous voyez mais moi là mes sourcils je les trouve très beaux. Ils sont très bien faits, tout va bien. Bon bah écoutez, gardez en tête que dans 2 minutes mes sourcils seront tout redescendus, ils seront tout plats, tout nuls. Et ça je n'arrive toujours pas à trouver de solution. Donc là je vous fais ma routine make-up mais hors le fait que je me batte avec mes sourcils absolument tous les jours de ma vie, ok? On va enlever ce bandeau et je vais mettre celui-ci. Voilà, comme ça j'ai le visage bien dégagé. Alors hydrater ma peau, je l'ai déjà fait. J'aime trop utiliser cette crème là, je l'adore. C'est une crème AHA, BHA, PHA. Il y a de la santé là aussi à l'intérieur. C'est la 30 Day Miracle Cream. J'ai déjà fini un pot, c'est la deuxième et j'ai même pris un pot d'avance. Je la prends sur YesStyle. Cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec YesStyle. Ils ne sont même pas au courant de cette vidéo, mais je vous le dis, si jamais je collabore avec eux jusqu'à la fin de l'année, donc je pense que vous pouvez utiliser mon code. Je vous le mets à l'écran, c'est MAOJOIE10, si je dis pas de bêtises. Bref, j'utilise cette crème, je l'aime beaucoup. Donc j'ai hydraté ma peau tout à l'heure. Je suis en train d'essayer de trouver une routine qui me correspond parce que franchement, j'ai grave d'imperfections. Le problème, c'est que je touche énormément mes boutons. Je sais que c'est mon plus gros défaut. Ces derniers temps, j'ai un peu délaissé le gua sha, mais c'est vraiment super important à faire sur une peau hydratée, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Et sinon, en ce moment, j'aime bien utiliser cette CC crème de chez Herborian en teinte dorée. Alors, je me maquille quasiment, enfin, pas tous les jours en live, mais très souvent. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit, ouais, moi, je suis pas fan de cette crème parce qu'elle s'oxyde et tout. Et je m'en rendais pas du tout compte. Et au final, une fois que vous me l'avez dit, je l'ai réalisé. Donc oui, elle s'oxyde un peu, c'est vrai. Mais franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'elle fait un teint unifié, vous voyez. Elle va prendre la couleur de votre peau. Il y a plusieurs teintes, par contre, je crois que pour les peaux noires, il n'y a pas. Vraiment, il y a encore tellement d'efforts à faire pour les peaux foncées. Il y a tellement de produits qui ne sont pas disponibles dans ces teintes. En général, moi, ce qui m'arrive, mon problème, en gros, c'est que ma crème, elle se met, voyez, au début de mon sourcil, là. Et du coup, ça s'oxyde et mon sourcil devient orange. Et ça m'énerve énormément. Bon, sinon, vous, les filles, comment ça va en ce moment? Dites-moi en commentaire. Moi, j'ai l'impression que... Mais c'est pas possible, j'ai un chat noir. J'ai l'impression qu'on est plein en train de traverser une période assez compliquée. Je sais pas si c'est une période un peu charnière et tout, mais moi, franchement, je suis grave dans un mauvais mood et tout. Je suis pas track. Alors, je mets très peu de... Je mets quasiment jamais d'anticerne, mais je vais essayer de tout vous montrer mes produits du moment. Donc, si je mets de l'anticerne pour cacher un peu mes trucs et tout, je mets le Tarte en teinte ultra creamy. Et j'ai l'impression qu'on traverse tous une période un peu nulle, compliquée. Je sais pas, je suis grave dans une période charnière un peu. J'allais dire le changement des saisons parce que je crois qu'en France on est rentré au printemps. Bon, ici il fait beau toute l'année, mais je sais pas, c'est le mood. Moi je vous avoue que c'est la première fois de ma vie entière que je passe autant de temps loin de la France. C'est vrai que d'habitude, ça fait 3 ans que j'habite à Dubaï et j'avais l'habitude en vrai de rentrer, je dirais, tous les 2-3 mois. Je pense que le maximum que j'avais fait, c'était 3 mois. Ouais, 3 mois et une semaine, quelque chose comme ça, mais j'avais jamais fait plus. Ça, c'est mon produit chouchou, pareil, c'est le deuxième que je vide. C'est la crème bronzante de chez Nars en teinte Casino. J'en suis amoureuse, je l'aime vraiment trop d'amour. Quand j'en aurai plus, je sais pas comment je vais faire parce que chez Sephora, elle est plus dispo, je crois. Mais ici, il y a des magasins Nars, donc peut-être que j'irai voir avant cet été s'ils l'ont en magasin directement. Ouais, c'est la première fois que je reste aussi loin de la France. Et honnêtement, j'en avais besoin, c'était totalement un choix. Donc je suis rentrée cet hiver, 2 semaines, je crois. Le 28, donc là on est début mai, ça fait plus de 4 mois et je rentre pas avant juin, donc quand je vais rentrer en juin ça fera quasiment 6 mois que je suis pas rentrée en France, 5 mois et demi. Voyage
voyage à Bali, j'attendais vraiment que ça me fasse du bien, que ça me coupe et tout. J'avais vraiment, vraiment besoin de vacances en plus, ce sentiment, parce que oui, évidemment que sur les réseaux, je suis ultra privilégiée, etc. Enfin, ça, personne n'a dit le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche que mentalement, il y a une charge mentale qui est énorme et j'avais besoin de couper. Et au final, bah, ça n'a pas du tout été une coupure. Enfin, je pense que si vous avez suivi mes vidéos, que ce soit sur Insta ou TikTok, enfin, vous savez que ça s'est pas forcément bien passé. Et je vous avoue que là, bah, rester à Dubaï, enfin, j'aime trop et tout, je me sens trop bien, mais j'aurais aimé vraiment prendre des vacances, vous voyez, loin de ton appart, de tes responsabilités, de ton quotidien. En plus, là, ma Ola, c'est fermé jusqu'à juin. C'est que pour du positif, mais pareil, je me sens vide, je me sens... Enfin, vraiment, j'ai eu un petit coup de mou ces derniers temps. J'ai mis le Blush Rare Beauty en teinte Happy. J'ai reçu, vous savez, le paquet presse là, que toutes les influenceuses ont reçu, vraiment, mais incroyable. Honnêtement, si c'était que de nous, là, on aurait repris des vacances avant de rentrer en juin, mais franchement, ça fait beaucoup de frais, en vrai, surtout que le voyage à Bali nous a coûté très cher, parce que, bah, justement, on y allait vraiment en mode profiter, vacances, tu vois. Bali, c'est vraiment pas une destination qui est chère à la base, mais nous, voilà, on s'est fait plaisir. Déjà, je vous ai fait la vidéo, on a voyagé en business, donc ça coûte très cher. Enfin, après, c'est une expérience, hein, mais plein de trucs, vraiment, c'est un voyage qui nous a coûté des milliers d'euros et tout, pour que ce soit même pas incroyable, tu vois. Bah voilà, j'aurais vraiment aimé prendre des vacances, mais c'est encore un coup, donc je pense qu'on va pas partir, quoi. On va essayer de s'organiser des petits plannings sympas jusqu'à juin, essayer d'un peu plus sortir, se faire des journées off, un peu plus de beach club, des choses comme ça et tout, qu'on prend pas forcément le temps de faire en général. Donc voilà le programme des prochaines semaines. Je voulais vous montrer ma poudre, alors attendez. En gros, c'est cette poudre de chez Makeup Revolution, la Translucent Baking Powder en teinte translucente, je suis con. Et en gros, j'ai acheté un petit truc comme ça sur Amazon et j'ai mis la poudre à l'intérieur parce qu'elle était pas du tout pratique à utiliser. Enfin, comment tu fais pour me foutre ta poudre avec un truc comme ça? Genre, c'était pas du tout pratique, même dans le mettre dans le capuchon et tout. Enfin bref, du coup, j'ai acheté un petit truc comme ça et je l'ai mis à l'intérieur. Là, je fais vraiment une full face, mais je vous montre comme ça un peu tous mes produits. Donc ensuite, en général, j'aime bien mettre du coup bronzer poudre par-dessus. Les Saint Laurent sont bien, mais j'ai l'impression que quand je mélange plusieurs matières, ça fait pas ouf. Donc voilà un peu notre programme des prochaines semaines. Franchement, j'étais pas sûre de mon mot, mais en vrai, si. Je pense que je suis contente de rentrer cet été, je vais passer un bon été. Pour la simple et bonne raison que juillet et août, je vais être dans le studio. Donc pour celles qui me suivent un peu plus assidûment, entre guillemets, le studio, c'est là où, vous savez, je faisais les lives souvent au récolte, les lives Maolash, etc. Où je faisais les commandes. Et là, je vais pouvoir y être pour le premier été. J'aime trop aussi mettre la poudre Christian Dior, elle est sublime. J'ai reçu un colis presse Dior. Enfin, je suis désolée, ça je l'ai demandé pour mon anniversaire l'année dernière et cette année j'ai reçu celui-là gratuitement. J'ai reçu aussi tous les produits, ceux-ci là, les Glow Maximizer, j'ai reçu plein de teintes et tout, enfin vraiment incroyable, j'ai reçu des colis presse de ouf. Et ouais, du coup je serai dans le studio, donc j'ai vraiment extrêmement hâte. Et du coup, bah, je sens que ça va être mon petit cocon, j'aurai ma wifi, je pourrai faire des lives quand je veux, j'aurai ma cuisine, enfin en fait, même si c'est un tout petit appart de 20 mètres carrés, j'ai envie de faire des vidéos même où on l'aménage ensemble et tout, parce que je pense qu'on est beaucoup dans... Enfin, pas on, parce que moi j'ai de la chance que ce soit pas mon cas à l'année, mais je pense que vous êtes beaucoup à être dans ce cas-là, à passer un été dans un tout petit appartement étudiant, etc. Je vous spoil un peu, parce que je sais pas si vous allez être beaucoup à regarder cette vidéo, mais j'ai envie de faire une petite série de vidéos en mode pour toutes les filles qui sont dans leur appartement solo de 20 mètres carrés et tout. Enfin, je pense que ça peut être trop cool, donc dites-moi si ça vous tente. J'ai un peu remonté mon blush trop sur ma tempe là. D'ailleurs, le blush, c'est celui-ci, c'est la teinte Joy. Il est magnifique. Blush poudre Rare Beauty aussi, du coup. Donc là, j'ai fait mon teint. Je vais toujours venir repasser mes grains de beauté avec un crayon à sourcils tout basique. Donc c'est vraiment mes vrais grains de beauté. Je m'en crée pas, juste les repasse parce que avec les 3 tonnes de produits que j'ai mis, on les voit plus. Je pense que je vais passer un bon été. En plus, je me suis loué une voiture pareille pour tout juillet, août. Bon, alors on rentre début juin, donc je vous avoue que le mois de juin, ce sera pas pareil. J'aurai pas de voiture, j'aurai pas le studio, etc., etc. Mais bon, dans l'idée, c'est cool. Ouais, franchement, les deux derniers étés, j'ai grave, mais grave délaissé mes réseaux l'été. Franchement, cet été, je suis motivée comme jamais. En plus, enfin, va pas y avoir ma cousine. L'année dernière, ma cousine, elle était là. Enfin, il va pas y avoir grand monde cet été. Donc, ça va être différent. Puis le fait que là, j'ai un studio et tout, je vais être moins dans la volonté. Parce que l'été dernier, vraiment, je cherchais tout le temps à sortir de chez moi. Enfin, bref, vraiment un truc pas forcément sain. Ben là, du coup, je vais vraiment plus pouvoir me concentrer sur... Oh!
plus pouvoir me concentrer sur mon taf. J'ai mon planning de vidéo jusqu'à fin août qui est prêt. J'ai plein de concepts et tout. Enfin, franchement, je suis super contente. Bah alors, j'ai pas du tout envie de rentrer maintenant. Franchement, j'ai pas du tout envie de rentrer maintenant. Mais disons que en gros, ma vibe a changé parce que j'appréhende pas le fait de rentrer. Alors qu'en général, j'appréhende un peu le fait de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Après, autre chose, je me fais retirer ma kéloïdes. On fait vraiment un petit life update dans cette vidéo. Je me fais retirer ma kéloïdes. J'ai rendez-vous, je veux pas dire la date, mais mi-juin. C'est pour ça qu'on rentre début juin. Je pense que je vous ferai des vidéos parce que vraiment, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se tape des kéloïdes à cause des piercings et tout. Et il y en a plein qui arrivent à les faire partir. Et il y en a d'autres pour qui, bah, quand ça prend une trop grosse ampleur comme moi, et ben t'as pas d'autre choix que de passer par cette case-là. Donc je me fais opérer. Apparemment, j'ai 5 semaines de post-opératoire, mais ça me paraît tellement énorme. Mais c'est ce que la dame m'a dit, quoi. Donc écoutez, je pense que je vous ferai des vidéos TikTok pour le coup sur ce sujet-là. Mais évidemment, je vous en parlerai un peu sur YouTube. Enfin, forcément, vous le verrez, etc. Je vous évoquerai le sujet, mais vraiment, je pense que je le ferai sur YouTube. En ce moment, j'aime bien laisser mes cils tranquilles. Je trouve que ça fait très clean girl de pas mettre de mascara. Après, quand je me recourbe les cils, évidemment, je me recourbe les cils avec le recourbe-cils maolage. Tout ça va changer de toute façon, donc voilà. Et en termes de mascara, j'aime bien le télescopique L'Oréal. Franchement, ça fait des mois d'ailleurs que... Franchement, vous me dites quand c'est que tu sors un mascara, maolache et tout. Ça fait des mois que je suis dessus. J'ai déjà fait plusieurs échantillons, j'ai reçu plein d'échantillons, j'ai testé, mais ça me convient pas. La texture me convient pas, j'ai essayé plusieurs fois la brosse, j'ai trouvé une brosse qui me plaît, mais ça me convient pas. Et le truc, c'est que vous me connaissez, moi, que ce soit sur maolache, vraiment, j'aime faire les choses par moi-même. Vous voyez, la compo maolache, c'est une compo qu'on a créée nous-mêmes avec nos labos. Beau et tout, enfin genre c'est vraiment des produits qui nous appartiennent, c'est à dire que cette compo là vous pouvez pas la trouver dans 18 autres sérums. Enfin, il y a plein de gens, ils vendent un sérum qui est déjà tout fait et ils mettent juste leur marque. T'appelles ça du white labeling, je crois. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a fait avec maolache. Enfin, j'ai pas non plus envie de le faire avec le mascara ni avec tous les autres produits qu'on sort. Enfin, vous verrez, il va y avoir de la nouveauté en juin. J'ai très très hâte que ça sorte. Bah, c'est vraiment pareil, c'est nos produits à nous, quoi. C'est pas juste une compo et on a mis maolache histoire de quoi. Vraiment, c'est de la recherche et tout. Enfin, j'y tiens vraiment pour l'instant. Le mascara, j'arrive pas à faire ce qui me plaît, j'arrive pas à trouver une consistance qui me plaît, c'est très 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 dur. Donc voilà, pour l'instant c'est pas la nouveauté tout de suite maintenant, je travaille toujours dessus, mais c'est tellement cher, tellement long, tellement compliqué. Mais évidemment, j'aimerais du plus profond de mon cœur avoir un mascara maolache, avoir du sérum à l'intérieur. C'est l'objectif, hein, qu'à l'intérieur du mascara, il y a un peu de sérum maolache pour que ça limite les effets de casse du mascara et tout, enfin... Voilà, ce crayon, c'est le Charlotte Tilbury en teinte Love Trap. Donc voilà un peu mon life update. Franchement, attendez-vous à ce que je sois bien présente cet été. D'ailleurs, vous faites quoi cet été? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous faites rien? Est-ce que vous allez être connecté? Je sais pas comment c'est un peu l'été. Est-ce que c'est... Pas grand monde est sur les réseaux et tout. Enfin, dites-moi, je n'ai plus de batterie. Je crois que je vais devoir vous laisser ici. Je pense pas que je vais mettre de mascara. Je vais juste ajouter ma petite huile à lèvres Dior. C'était une petite vidéo très simple. J'espère que vous l'avez aimée. Je fais un petit close-up de mon teint pour vous montrer ce que ça rend en réel, et franchement j'adore le mood. Après, ça bouge un peu en fonction de la journée, mais franchement c'est vraiment une routine que je kiffe. Voilà, et après soit j'ajoute du mascara soit pas. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner.